honneur et gloire ce soir en Dieu. Adonai est son nom. 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 Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Fort dans les combats. Adonai est son nom. Adore le Seigneur. Adore le roi, parle-lui. Le plus beau entre 10 000. Adonai est son nom. Ce matin, il est là. Il attend notre adoration. Il attend notre adoration ce matin. Alléluia. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur. Ce matin, nous nous tournons vers toi. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Nous sommes là ce matin pour toi. Puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats, Adonai est son nom. Oui, nous disons puissant guerrier, puissant guerrier. Adonai est
qui donne la paix. Jésus-Christ est son nom. C'est lui qui donne la vie. Jésus-Christ est son nom. Son nom, c'est Jésus, le roi des rois. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est son nom. C'est lui qui nous restaure. Jésus-Christ est son nom. Acclamons ce nom. La Bible déclare Dieu l'a souverainement élevé. Lui a conféré le nom de l'élevé au-dessus de tout nom. Afin que son nom, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse le Seigneur. Jésus-Christ est son nom. Tu acclamais pour le nom qui donne la paix. Jésus-Christ est son nom. Acclamons le roi des rois. Jésus-Christ est son nom. Glorifions le Tout-Puissant. Jésus-Christ est son nom. Oh, nous disons puissant guerrier. Jésus son nom, oh, nous disons puissant, puissant, puissant guerrier, car dans les combats, Jésus-Christ est. Acclame-le, acclame-le, pendant que tu acclames, tu adores en même temps. Nous adorons avec nos acclamations. Peux-tu acclamer solennellement, dignement pour Jésus? Non, 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 là tu acclames pour moi. J'aimerais qu'on acclame pour le roi des rois. La manne cachée. Alléluia. 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 Il n'y a que lui qui mérite l'adoration ce matin. Il n'y a que lui qui mérite d'être acclamé. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est son nom. Dieu l'a souverainement élevé. Dieu a vu la misère du monde. Il a vu, il a entendu comment les hommes pleuraient. Et il a conclu de nous donner le remède. Alléluia. Il a conclu de nous donner un remède puissant, efficace, incontestable. Ce remède s'appelle le nom de Jésus-Christ. Le nom qui change de vie. Le nom qui change de vie. Le nom qui donne la vie. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci. Réalise un peu sa présence. Réalise sa présence. Alléluia. Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Alpha. Si tu n'as pas encore parlé, Alpha, avant qu'Abraham ne fût tué, oh Alpha, mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi. Alpha.
Alpha Omega. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère, Alpha. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté, Alpha. Jamais imaginé, Alpha Omega, Alpha Omega, le Dieu de tout temps qui conduit mes pas, Alpha Omega. Réalise ses paroles. Alpha. Adore-le. L'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha. Mon sauveur. Tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha Omega, le Dieu de tout temps.
où tu es ensemble, élève la voix, commence à bénir Alpha et Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Merci pour tout ce que je cesse de faire, Père. Dieu de gloire, tu es dit. Tu es dit d'être élevé. Alpha, Omega. Oh Seigneur. Sans toi, Seigneur, comment nous serions. Nous aurions été, Seigneur, nous serions dans ces ténèbres, Seigneur, qui nous environne, qui environne ce monde, Seigneur. Dieu de gloire, nous serions abattus, nous serions tristes. Mais Seigneur, tu nous as sortis de tout cela, Seigneur. Merci infiniment. Merci pour ta bonté, merci pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu nous aides de faire pour nous. Merci pour ce que tu nous aides de faire dans nos vies. Dieu de gloire, sois béni, sois loué. Tu nous connaissais même avant, Seigneur, que Alpha Omega. Oh, Dieu de gloire, tu nous connaissais. Tu disais à Jérémie, avant que tu nous étais formé, je t'ai connu. Dieu de gloire, je te dis merci. Parce que chacun de nous, nous avons, Seigneur, cette étoile. Nous avons, Seigneur, ce but, cette mission, Seigneur, en Jésus-Christ. Par la foi, nous avons été sauvés. Par la foi, nous avançons. Par la foi, nous allons vaincre, Seigneur, tous les pièges de l'adversaire. Dieu de gloire, tu as dit. Le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents, et rien ne pourra nous nuire. Ainsi, Seigneur, par cette foi, par cette force que tu as mis dans nos vies, nous avançons et nous évoluons, Seigneur. Tu es digne, Seigneur, d'être élevé. Tu es digne d'être adoré. Sans toi, que ferions-nous? Sans lui, merci. Remercions-le pour tout ce qu'il ne cesse de faire dans nos vies. Remercions-le, Seigneur, pour tout ce qu'il n'a cessé de mettre dans nos cœurs, pour la foi qu'il met dans nos vies, pour toutes les situations que nous pouvons vivre. Dans lesquels, Seigneur, nous sommes totalement perdus. Mais il vient et nous dit, tout ira bien. Il vient et dit, je suis à la fin, je suis l'oméga. Je suis depuis la création, il est présent dans nos vies. Jusqu'à l'Apocalypse, il est toujours là. Dans toutes les situations, lorsque les tempêtes, lorsque les situations se lèvent contre nous, il est toujours présent. Lorsque nous sommes attaqués, lorsque le monde se lève contre nous, il est toujours présent. Nous sommes le sel de cette terre. Oh Dieu de gloire, je te dis merci. Descends, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, nous avons tout simplement besoin de toi. Nous avons besoin de toi en ce lieu, nous avons besoin de toi dans nos vies, nous avons besoin de toi dans toutes les situations que nous pouvons vivre. Seigneur, descends, Seigneur, tu es Alpha, tu es Oméga, tu es digne d'être élevé, digne d'être adoré. Seigneur, mes mots me manquent devant toi, mais Seigneur, je te dis merci. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors je dis à l'Éternel, Seigneur, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car Seigneur, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur. Seigneur, tu me délivres de toutes les situations. Tu me délivres de ceux qui me persécutent. Tu me délivres de ceux qui font du mal à ma vie, ceux qui font du mal à mon âme. Tu me sors de toutes les situations dans lesquelles je suis. Tu m'aides, Seigneur. Et tu m'aides à avancer, tu m'aides à atteindre, Seigneur, un lieu élevé. M'aide à devenir une personne nouvelle. Dieu de gloire, grâce à toi, je suis née de nouveau. Grâce à toi, je ne suis plus l'être, Seigneur, que l'on condamnait. Dieu de gloire, tu as dit, tu as mis à la croix et ont été clouées toutes les condamnations. Au nom de tous ceux qui me combattent au quotidien ont été cloués à la croix. Alors, au nom de Jésus, je suis victorieuse. Au nom de Jésus, je vais avancer. Au nom de Jésus, je vais évoluer. Oh Dieu de gloire, je parle à quelqu'un, Seigneur. Je dis à quelqu'un la situation dans laquelle tu vis actuellement. Dieu de gloire, tu es dit. La situation que tu vis actuellement, ne t'en fais pas. Il arrive avec toi. Alpha, oh Dieu de gloire, je te dis merci parce que tu m'as parlé ce matin. Tu m'as dit, Seigneur, tous ceux qui je suis présent au milieu de vous. Alpha, je suis là, Seigneur, tu es dans nos vies. Alors aide-nous, Seigneur. Aide-nous à marcher dans ta présence. Aide-nous à prendre conscience de qui nous sommes. Aide-nous à prendre conscience que nous sommes fils et filles de Dieu. Aide-nous à prendre conscience, Seigneur, car trop longtemps le diable s'est joué de nous. Nous a écrasés, Seigneur, nous a dit que pas capable d'avancer, nous a dit que nous n'étions pas capables d'évoluer, mais Seigneur, tu nous as donné cette force, Seigneur. Oh Dieu de gloire, descends, manifeste-toi dans nos vies, Seigneur, que nous puissions être un témoignage pour notre génération, que nous puissions être un témoignage pour ceux qui nous entourent, que nous puissions être un témoignage dans nos vies, que nous puissions changer ceux qui sont autour de nous. Oh Dieu de gloire, ce monde a besoin de toi, ce monde est plein de tristesse, Seigneur, mais je sais que par ta grâce, nous allons avancer, nous allons ramener ce sel, Seigneur. Dieu de gloire, tu as dit que nous étions le sel de cette terre. Alors nous allons avancer et nous allons montrer à cette terre, Seigneur, qui tu es. Tu es digne d'être levé, digne d'être adoré, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Mais Dieu de gloire, je te rends grâce, Seigneur, parce que tout ce que tu fais pour nous est juste immense. Seigneur, tu mets en moi une paix immense. Tu mets en nous, Seigneur, une joie, Seigneur. Oh Dieu de gloire, remercions-le pour tout ce qu'il ne cesse de faire. Parce qu'en nous, il met, Seigneur, cette paix. Il met une plénitude immense. Il met, Seigneur, les fruits de l'esprit. Il met en nous la paix, une mignonne.
en nous la douceur, en nous la joie. Mets en nous tout ce qui nous permet d'avancer, tout ce qui nous permet d'évoluer. Oh Dieu de gloire, nous sommes heureux, Seigneur. Je suis dans la joie, Seigneur, car nous sommes dans ta maison, nous sommes dans ta présence. De Dieu, je te suis reconnaissant, car ton Saint-Esprit, Seigneur, descend. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, descende, se manifeste dans nos vies, se manifeste dans nos cœurs. Merci pour tout ce que tu fais. Parce que notre commencement, c'est toi. Notre commencement, c'est toi. Avant que nous puissions exister, tu nous as connus. Tu es Alpha dans nos vies. Tu es celui qui chemine avec nous. Et tu sais où nous allons nous arrêter. C'est toi qui es un point final à tout ce que nous sommes, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Maintenant, je vais inviter la servante de Dieu Bénédicte afin qu'elle nous apporte les annonces et les communiqués de notre église. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous donner les annonces de cette semaine. Nous allons cheminer avec Dieu comme Emmanuel. Nous allons commencer le lundi avec notre Alpha et nous allons le retrouver le dimanche comme Oméga. Et ce mercredi, nous aurons notre culte d'intercession de 19h à 20h. Et le vendredi, nous avons le culte de la jeunesse de 19h à 20h également. C'est notre moment de partage et de dialogue entre nous les jeunes. Et nos cultes dominicales se tiennent de 10h à midi. Donc notre adresse est le 4 rue Vasco de Gama, 94 370, Sussu-Ambry. Du coup, nous avons des plans d'accès pour venir le plus rapidement possible parce que comme c'est la période festivale, nous avons beaucoup d'interruptions d'itinéraires. Vous pouvez nous joindre, venir ici sur place avec le RERA, Sussu-Bonneuil. Et vous avez la ligne 8 du métro, vous descendez à Pointe-du-Lac et vous prenez le bus 393, le terminus. Et c'est à 5 minutes, même pas 2 minutes du terminus. Et vous avez aussi le RERC, vous descendez à Choisy-le-Roi et vous prenez également le 393 qui va vous ramener jusqu'ici. Nous avons notre veillée de prière le 30, vendredi 30, de minuit à 5h. On vous rappelle qu'on sera ici présent à partir de 23h. Si vous pouvez venir également inviter des gens pour prier, adorer Dieu. Et ce vendredi, nous avons vu avec nos jeunes, nous avons eu à terminer notre deuxième partie sur la colombe. Et nous avons vu sur Galates 5, verset 22 jusqu'au verset 26. Et nous avons eu comme fin de citation, comme conclusion, que nous sommes de colombe, donc nous sommes douceur, pureté et paix. Et nous vivons dans l'unité et la simplicité. L'unité et la simplicité, ça a été notre conclusion. Donc nous avons comme notre devise, les jeunesses de la main puissante de l'Éternel. Donc nous sommes colombes, donc nous sommes douceur, pureté et paix. Et nous vivons dans l'unité et la simplicité. L'unité et la simplicité. Donc nous vous invitons à venir très nombreux nous rejoindre chaque vendredi de 10h, de 19h à 20h au 4 rue Vasco de Gama, 94 370 Sussu-Ambry. Et nous aurons aussi besoin de votre aide. L'aide financière. Donc, nous faisons appel aux partenaires, aux partenariats. Ceux qui sont intéressés, ils peuvent venir voir le pasteur à la fin du culte. Nous avons besoin de vous pour construire cette infrastructure et aller de l'avant. Donc, je vous souhaite un excellent dimanche. C'est le moment de la louange à venir. Je vous laisse avec la sœur Sandra. Bon dimanche à tous. Nous remercions notre sœur Bénédicte. Donc, moi, je voudrais passer juste sur le programme de la veillée. Donc, nous vous invitons tous à venir les 30, vendredi 30 août, à partir des 23h, soyez nombreux. Nous allons mettre le feu. Ce sera un moment de gloire déjà, et ce sera un moment où il y aura des vies qui seront transformées. Donc, nous allons continuer avec notre programme. Nous avons loué Dieu, nous l'avons adoré et maintenant nous allons écouter sa parole.
Donc j'invite les serviteurs de Dieu. Nous continuons dans la louange. Nous allons danser. Nous allons danser pour notre Seigneur. Donc avec la chorale, je vous laisse entre les mains de la chorale afin de louer Dieu, de l'adorer et de danser pour lui. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Le dimanche, c'est un culte spécial de louange et adoration. Amen. La Bible déclare, l'Éternel siège au milieu de la louange. Si tu es d'accord avec moi, tu vas acclamer le Seigneur et pousser des cris de joie. Là, tu es acclamé pour moi. J'aimerais qu'on acclame pour le roi des rois. Tu as encore acclamé pour moi. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur des Seigneurs? Gloire à Dieu. Même ceux qui nous suivent à la maison, vous vous tenez debout avec les enfants. On va danser pour le roi des rois. Natango ya passé, penatango ya maladie. Nana bele la kayo, yondeli tangolue, kombo mosusu ezalite, wele kombo na Yesu, yango ba benga kangaye, tika na yembe la lelo, kolue. Jésus, bele la Jésus. Natango ya passé, penatango ya maladie. Nana bele la kayesu, yende nizi bangolue. Kombo mosusu ezalite, bele kombo na Yesu. Yango mabenga kanaye, ikana yembe la lelo. Jésus. Jésus, utabo mwana nangaye, balakelanga mabe, na maluba na bango, balakelanga mabe, yango na sengi lo samboe, nandala na kimia te, bakufa lokite, na makita na bango ba Yeshue. C'est comme si tu n'as pas besoin de chanter. Est-ce que tu peux acclamer les rois? Banguna ba Yesué. Jésus, Fongola Lola, Fongola Lola, Botemi Kamu